Nous allons essayer de comprendre un peu ce qui est le modèle du Soukar rapide. Ce moyen de transport est uniquement refabriqué par la métallurgie du fer et son menuisier sur place. Dès que le véhicule importé occasionnellement d'ailleurs arrive à sa destination, les mécaniciens d'abord y apportent sa main-d'œuvre tout en recyclant le moteur du véhicule afin qu'il se rôde. Ensuite, à l'intérieur du garage, le menuisier du fer transforme cette cantine de véhicules à bagages en ouvrant des ouvertures de fenêtres sur les deux côtés du véhicule, puis il fixe des places assises à l'intérieur. La deuxième largeur bien séparée du chauffeur contient 5 places. Sur le marchepied est la place de l'apprenti chauffeur. L'apprenti chauffeur représente le panneau de direction et celui du trajet que devra effectuer le chauffeur. Sur le trottoir, il alerte les passants à se tenir comme passagers du véhicule tout en cherchant à remplir ses 25 personnes plus lui et le chauffeur. Les apprentis à l'apprenti rôdent à ses côtés et ils se préoccupent tous à remplir le véhicule, de remplir le véhicule de passagers pendant qu'à certains passagers attendent à l'intérieur pour partir sur le trajet impatient. Tout apprenti promet d'y aller tout de suite. On va y aller tout de suite et ça va rouler vite. En guise d'échange entre apprenti et ses apprentis, en raison d'action, l'apprenti lui donne une petite monnaie appelée coxeur en lui réclamant un peu plus de plus parce qu'ils ont servi en tant que faux passagers ou get-nap pour attirer passagers. On les voit souvent redescendre du véhicule lorsque beaucoup de clients y montent. Thank you.
Ok. Faut donner la balle. Je suis en même temps. Les cars rapides commencent à rouler tôt le matin, à partir de 5 heures. Les personnes matinales viennent une à une pour remplir le véhicule, le premier car. Les cars rapides font la queue à tour de se remplir de passagers. Ce principe, peut-être leur a été dicté par un de leurs syndicats du transport en commun. Autant de personnes qu'il faut, le car rapide se remplit bien avant son départ. Toutes les destinations du car rapide sont en ville et de la ville à ses banlieues, puis ensuite d'une banlieue à une autre pour un peu plus de profit avant d'arriver en ville. Pendant la nuit, en général, les véhicules se garent si soit un ou deux ou plusieurs véhicules de même propriétaire dans son quartier, non loin de sa concession, afin de les surveiller, bien sûr. Parce que les cars rapides, ils ne vont pas dormir ailleurs. Adabai comme une animale.